J'ai choisi de vous présenter Comme l'Obsidienne. C'est un livre qui a été écrit par Vania Isabelle Pratt. Là, cette édition a été dessinée par Mathilde Marlot. Mais l'édition originale ressemble à ça, avec la rose au centre. Alors j'ai choisi ce livre parce que l'histoire est très intrigante et j'avais envie de la découvrir. Le cadre de l'histoire se déroule dans un monde imaginaire où les habitudes ne sont pas les mêmes que chez nous et du coup on en apprend tout au long du livre. Le personnage principal, c'est une jeune femme qui a perdu la mémoire et qui ne se souvient même pas de son prénom, qui se fait aider par des gens qui ont une vie tout à fait normale, voire difficile par certains moments, et ils finissent par se rendre compte qu'elle appartient à une cité, la cité d'Héraclion. Alors elle décide, curieuse, elle décide qu'elle va visiter cette cité pour essayer de retrouver ses souvenirs. Mais pour y entrer, il faut passer les 7 épreuves. Personne n'a survécu à ces épreuves, mais elle va quand même essayer. Pour ça, elle change de visage et de nom, et du coup, elle s'en va. Elle va découvrir beaucoup de choses pendant cette aventure, sur ses origines, elle va trouver le vrai visage des personnes qui l'entourent. Et du coup, je vous conseille ce livre parce que l'histoire est très intrigante et surprenante aussi par moments. Et il y a beaucoup de suspense. J'ai beaucoup aimé et il fait beaucoup réfléchir sur les apparences des gens et sur ce qu'on pense d'eux.